En 2015, une fouille préventive a été menée par Alexandre Henry sur la commune de Colérac-Saint-Cyr, en Lot-et-Garonne. Elle a livré une nécropole du premier âge du fer, riche en mobilier céramique, datée de 600-500 avant notre ère. Cette nécropole est apparue sous la forme de structures empierrées de plan circulaire. À l'intérieur de chaque aire funéraire ainsi délimitée, se trouve un dépôt constitué d'un ensemble céramique et parfois d'objets métalliques associés. Les dépôts de céramique se composent généralement d'une urne avec son couvercle, de coupes, de petits gobelets et autres vases d'accompagnement. Ils sont la plupart du temps brisés, mais en place. Nous allons suivre l'itinéraire d'une de ces urnes à décor de cupule, du terrain au laboratoire. Une fois dégagée, l'urne est d'abord ceinturée de fils étirables afin d'assurer le maintien des tessons encore en connexion. Pour immobiliser le prélèvement, notamment pendant le transport, un coffrage est réalisé avec des bandes plâtrées qui viennent en renfort. La fouille anthropologique, réalisée au centre d'études, confirme bien qu'il s'agit d'une urne à crémation. La partie supérieure de la céramique est démontée méthodiquement pour permettre la fouille et l'étude de l'amas osseux. Les os brûlés correspondent à un sujet immature qui aurait entre 1 et 6 ans. Les tessons de l'urne sont ensuite nettoyés et repositionnés en bon ordre à l'aide d'un repérage à la craie. Une reconstitution du puzzle à plat précède le remontage en volume. Le remontage s'opère en partant du fond du vase vers le col dans un mouvement tournant et ascensionnel. La colle employée est parfaitement réversible dans un solvant. Maintenant, l'urne est remontée et prête pour le dessin et la restitution graphique nécessaires à l'étude. Pour faciliter l'accessibilité, la céramique est entreposée avec ses vases d'accompagnement, puis conditionnée par mesure de protection. Pour finir, des prises de vue sont effectuées pour répondre à une demande de restitution 3D dans le cadre d'un projet de valorisation.
3, 2, 1, 0.